Élection 2023, bonne nouvelle pour la ville de Goma en particulier et la RDC en général. C'est confirmé. La capitale touristique de la RDC vient de récupérer son siège, ce qui fait 5 au lieu de 4, comme a été publié lors de la clôture des opérations d'enrôlement des électeurs. La confirmation est du docteur Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, qui l'a dit à la presse ce dimanche 19 juin 2023, de transit à Goma pour le Maniema. À l'aéroport international de Goma, M. Didi Manara a été accueilli par M. Hubert Kasiwa, secrétaire exécutif de la CENI Nord Kivu. Le deuxième vice-président de Denis Kadima a commencé par souligner que les agents électoraux sont en formation et pour toute la province du Nord Kivu, la formation se déroule au niveau de l'école primaire d'application de l'Institut Mogoma et Paimog en sigle. Je crois que vous avez appris que nous venons d'organiser deux cadres de concertation. D'abord avec les partis politiques avant-hier et hier avec la formation des organismes de la société civile. Nous leur avons dit que le calendrier électoral court et qu'il faut savoir lire les signes de temps. Parce que le 25, c'est-à-dire dans une semaine, la CENI va convoquer l'électorat et que l'exercice. Nous allons commencer à recevoir et à traiter des candidats dans nos antennes, dans les réceptions et des candidatures. Les agents préposés pour cette opération sont en train et ils sont en train de m'entretenir avec M. confirme que la formation se termine d'ici là et que dans le Nord Kivu, le traitement des candidatures pour la députation nationale commence exactement le 26 de ce mois, donc dans une semaine. Félicitant le travail titan réalisé par la CENI Nord Kivu sous la guidance de M. Hubert Kasiwa, M. Didi Manara a bel et bien rassuré les électeurs dont leurs cartes, les photos et les écritures se sont effacées, leur disant que très prochainement, la CENI va procéder à l'octroi des cartes duplicata. D'abord, la CENI est très ravie de savoir que pratiquement tout le monde qui a demandé sa carte, que les gens disent, nous avançons des chiffres factuels, des chiffres inventés, fabriqués. Qu'est-ce qu'il y a à Goma ou partout, tout le monde qui a demandé sa carte là. Mais cependant, il y a eu des problèmes. Il faut que l'encre qui a fait en sorte que certaines écritures, certaines photos s'effacent. Mais la CENI a déjà trouvé une solution définitive à cette question. Nous avons envoyé nos experts au niveau de la Corée du Sud, voir notre partenaire Miro, qui a dû fabriquer toutes ces machines, qui nous a proposé cette technologie. Et nous vous rassurons que d'ici là, les duplicatas seront donnés dans chaque antenne. Vous savez que les élections, c'est d'ici décembre. C'est le 20 décembre. Donc d'ici décembre, il y a plusieurs mois. Et je vous signale ici que ces problèmes d'effacement des cartes, c'est un problème qui est pratiquement observé beaucoup plus ici chez nous à l'Est. Donc c'est plus général. Donc il ne faut absolument pas généraliser cette question. C'est vraiment localisé chez nous à l'Est. Et la solution a aidé la CENI, nous allons bien livrer duplicata au niveau des antennes. Donc, toute personne qui veut tester devra passer au niveau de l'antenne de la CENI pour avoir sa carte en forme de duplicata. Donc, soyez rassurés, ça ce n'est pas une question qui va arrêter le processus électoral qui est en cours. Est-il vrai que la ville de Goma s'est maintenant 5 sièges au lieu de 4? La ville de Goma a pu obtenir un siège supplémentaire. Voilà pourquoi nous félicitons la population de la ville de Goma qui a répondu présent à la CENI. Félicitations pour votre CEP qui a fait un travail de titan parce qu'il faut savoir évaluer les gens, pas les résultats. Les résultats sont là. La ville de Goma a eu un siège supplémentaire. Félicitations à vous. Faites un beau choix. Vous savez que nous ne faisons pas les élections, nous devons le faire, mais on délivre les qui vont.
sont amenés de voir ce développement dans cette ville de Goma. Kwa Kiswahili mheshimiwa, nyinyi ni naibu mwenyekiti wa kamishna huru ya uchaguzi nchini Kongo. Je, ujio gani, sababu gani ujio wenu hapa Goma? Nakuja kuangalia namna gani tunataka kuanza kufungula ma bureau ya reception na traitement ya makandidature. Mukisoma kalendrier yetu, kalenda yetu ya uchaguzi, utaona kama tarehe 25 mwezi wa 6 tutaweza kuambia wa député wa candidat député nationaux, maana yake wanabunge taifani, wakuje walete madossier yao ili wajipresente kuile uchaguzi. Ndiyo maana ndani ya juma moja tutaanza kupokea madossier wale wa kandida wote wa député nationaux wakuje wailete, na tutaanza kuwapokea na kuchunguza kama ile makandidature kweli inastahili kuchaguliwa au hapana. Ndiyo maana tunasema kama maparti politique maregroupement politique wa indépendant wajikaze sasa kujitahidi kuja kuleta makandidature yao kunako ma bureau yetu ya reception na traitement des candidatures make kunako mater. Hakutakuwa faktire fulani ambayo itakuwa exige juu batu wafike kukamata ile makarte? Ndiyo, absolument. Unajua kama kwa kuweza kudepose ma liste candidat inabidi kulipa ile caution kunako eyo 600,000 mara yake sijui ni 1,000,000 1,600 ya kimarekani, lakini ma ile ma liste nye utapa 50 ya wanawake liste qui auront aligné 50% des femmes au moins ne payeront pas la caution. Donc il est iko mesure yenye sheria yetu iliweza kukamata juu ya kuweza kufanya wanawake pate kuparticiper wengi kunako uchaguzi na tupate wanawake pia wanabunge taifani hapa Goma. Kwa tunapenda mingi sababu unapata siege nyingine moja kuliko miaka iliyopita, na pale nitapenda kuvi kiongozi wa seni hapa Nord Kivu sababu kazi iliyofanyika ilikuwa vizuri, na tulisikia bana mengi sana kusema kama kubagua Goma sababu kuna hiki. Ndio maana nadhani mnakumbuka kama nilikuwa hapa wakati wa mwanzo wa ile mambo ya enrollment des électeurs, tulisikia mambo mingi, lakini leo Goma wanapata masiege kuliko masiku iliyopita. Unaona kama si vema kusikia kila mara ma réseaux sociaux na wakati moja fujo ndani ya maendeleo ya wala mbao carte d'électeur picha zika na maandiko haya tachagua ama watapewa kadi zingine. Maandiko inafutika seni kamata ya kawaida. Sasa hivi unapo masiku za usoni tutawapatia ile tunasema duplicata, tutafungula mabiro yetu ya reception kunako maantene, ili kama kate tunafutika unapewa pia duplicata, sababu ndani ya kate kuna maandiko ile numero ya kate ile haifutike. Unaweza kuangalia vizuri ile ni na marke ile haifutike hapana. Tutakamata tu ile numero, tunaangalia pia QR code, tunabeba mandani yako yote na tunakupatia kate maduplicata nyipya. Haitakuwa okazio kusema kama mtu mwenye kuchaguliwa anakuja tena, hapana. Ile itakuwa tu machine itakuwa codifié kwa kuweza kuwapatia wale wenye kupata makati ili wapate pia makati sasa ya mwenye enye ilifutika. Asante. Mimi nawashukuru sana.